Ce n'est pas un secret. La rentabilité maximum des récoltes est toujours le résultat d'une technique de semis de haute précision. Ce n'est pas un secret non plus que Lemken propose actuellement sur le marché la meilleure technique de semis grâce au soc à double disque sous parallélogramme. Une technique qui connaît le succès et dont la levée uniforme promet une vraie récolte. La répartition longitudinale fiable des graines est importante. Cette mission fondamentale, les bons semoirs l'accomplissent. Mais c'est la profondeur de dépôt qui est décisive, car elle détermine 80% du succès de la levée des plantes. C'est là le terrain de prédilection du socle double disque sous parallélogramme de Lemken. Ici, la pression des socs et la profondeur de dépôt sont réglables de manière indépendante l'une de l'autre. Le semoir mécanique Saphir propose également cette technique de semis éprouvée des milliers de fois. Chez Lemken, une technique ultramoderne destinée aux entreprises agricoles de taille moyenne, c'est un standard exclusif. Ce modèle, court et compact, présentant une largeur de travail comprise entre 2,5 m et 4 m, se transforme en outil performant, surtout lorsqu'il est combiné avec la herse rotative Zircon ou le combiné court Quartz. Le concept est ici variable. Soit le Saphir est monté sur le rouleau et attelé hydrauliquement pour le transport, soit sous forme de Saphir Autoload en attelage 3 points solo ou derrière la herse rotative. Si l'on observe plus précisément les rangées de semis du Saphir, sa supériorité technologique saute aux yeux. La profondeur de dépôt exacte est obtenue par l'inclinaison du bâti porte-soc. Un réglage effectué de manière centrale. Maintenant, la position des roues plombeuses par rapport au socle double disque se modifie. La profondeur de dépôt est modifiée. Dans une deuxième étape, on règle la pression des socles. Le parallélogramme transmet la pression au sol nécessaire au socle double disque, pendant que la roue plombeuse à action séparée assure un rappuyage idéal du sol. Les atouts se révèlent dans la pratique. Si l'on augmente la vitesse de travail, les voies de passage du tracteur sont certes traitées, mais pas aplanies de manière optimale. Il en va de même pour les semis simplifiés. Même dans ces conditions extrêmes, les socs double disque sous parallélogramme garantissent une profondeur de dépôt exacte au centimètre près sur toute la largeur de travail. Cela, seul Lemken peut le faire. Les double disques forment un sillon de semis propre, même en cas de masse organique importante. Les racloirs puissants montés entre les disques empêchent leur colmatage. Les roues plombeuses qui suivent recouvrent les graines et rappuient la couche de recouvrement alors que la zone intermédiaire reste intacte. Des conditions idéales pour une irrigation optimale, une formation racinaire homogène et une levée rapide des plantes. L'ordinateur de Boris Hytronic est d'une grande aide. Facile à utiliser, il permet de régler le Saphir. Ainsi, l'Hytronic pilote et surveille par exemple le dispositif de jalonnage, facilite l'essai de débit et informe l'utilisateur sur de nombreux détails utiles. Sur le semoir mécanique Saphir, la grande roue squelette est placée au centre de la largeur de machine. Elle tourne ainsi toujours sur la surface traitée et entraîne l'arbre de distribution. Ceci a pour avantage de distribuer une quantité constante de graines. Grâce à l'entraînement à cardan, sans entretien et fiable, le graissage, la tension et la réparation des chaînes d'entraînement appartiennent désormais au passé. Le variateur à bain d'huile, réglable en continu de l'arbre de distribution, garantit une répartition longitudinale précise des graines. Il peut être réglé en continu pour des quantités allant de 0,5 à 500 kg par hectare. La trémie de graines de 650 à 1100 litres peut être remplie en toute sécurité grâce au plancher grillagé et au marchepied. Lors du remplissage mécanique, le couvercle ouvert sert de déflecteur. Même lorsque la trémie est pleine, l'ensemble présente un centre de gravité favorable car le réservoir repose sur le rouleau de la herse rotative Zircon. Lemken a mis au point ce concept d'attelage innovant spécialement pour cette combinaison d'engins. Avec le Saphir replié, le poids est reporté sur l'essieu avant et l'ensemble peut être déplacé sur route rapidement et en toute sécurité. Depuis des années, le Saphir de Lemken est un exemple de technique de semis précise, performante et fiable pour les entreprises agricoles de taille moyenne.
semis conventionnels ou simplifiés, le Saphir optimise les semis et augmente les rendements. Des milliers de clients satisfaits le savent, et ça aussi, ce n'est plus un secret.